tous et bienvenue. C'est un grand jour pour le continent américain car c'est aujourd'hui que s'ouvre cette compétition. Les 12 plus grandes nations vont s'opposer. Comme d'habitude, l'ambiance est exceptionnelle ici. Regardez et écoutez ce stade. On en prend plein les yeux. J'espère que vous allez apprécier autant que nous. Car je peux vous assurer que ça fait des heures que ces supporters mettent l'ambiance aux quatre coins de la ville comme au stade. Ça promet. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'hymne du Chili. Écoutons maintenant le deuxième hymne. Les deux équipes partagent une envie pour cette entame, celle de remporter les trois points. Ça ne fait aucun doute. On sait que tout peut aller très vite dans ce genre de compétition. Ce mini-championnat peut donner l'impression qu'on aura toujours l'occasion de rattraper les points perdus en route. Mais pour se qualifier, mieux vaut ne pas traîner. L'arbitre donne le coup d'envoi. Paolo Dybala. Otamendi. Avec Dybala. C'est parfait, magnifique. Dans la profondeur. Bien, bonne intervention. Le corner est joué court. Oh, un bon sang. De la tête! Danger repoussé pour le moment. Et chapeau à la défense pour ce sauvetage sur la ligne. Fabian Orellana. Medel. La longue passe. Alexis Sanchez. Et pour lui, attention! Parfaitement piqué. C'est sorti en 6 mètres. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Fabian Orellana. Et ce ballon sur l'aile. Oh, le petit ballon piqué. Oh là, c'est un peu resté dans la chaussure. Paolo Dybala. Messi. Le ballon dans la profondeur. Agüero qui écarte le jeu. Ça joue long vers l'avant. Ça sprint côté gauche. Le Chili qui fait dézonner ses attaquants axiaux. Oui, mais c'est un peu bizarre quand même. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Il faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Acuña, l'Argentine, qui essaye de construire.
Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque. Oui, on dirait que personne n'a réellement envie de se découvrir pour l'instant. Ça se comprend, mais c'est un peu frustrant. Acuña. Avec Dybala. Acuña. La frappe! Elle était lourde cette frappe, ça s'est joué à rien. C'est joué long, c'est dangereux. Il est bien placé. Agüero! Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. C'est récupéré. Long ballon dans le sens du jeu. La passe est précise. Oh, le bon ballon! C'est bien donné. Bon dégagement. Acuña. Et ils essaient de repartir de derrière. Un long ballon vers l'avant. Medel. Il allonge vers l'avant. Isla. Isla. Il renverse, c'est bien fait. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il décide d'allonger le jeu. L'Argentine qui cherche l'étincelle. Sur le côté. Et ballon perdu. Paulo Dybala. Il joue sur sa gauche. Le bon dégagement. Mais le ballon a franchi la ligne. Oh, Messi ! Il préfère repasser derrière. Acuña. Ça joue à gauche. Bonne intervention du défenseur, ce sera un corner. Il tente de se dégager. C'est joué long. Ça bouge, côté gauche. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Avec Dybala. Le débordement à droite. Bonne course côté droit. Oh, belle intervention. Il arrivait lancé en plus. Va-t-il en profiter? Énorme occasion. Oui, c'était puissant. C'était un bon tir, mais le gardien a eu la main ferme. Germán Petzela. La longue passe. L'interception, c'était chaud. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Acuña. Paredes qui choisit le côté gauche. Acuña. Alexis Sanchez. Il récupère le ballon. Bonne interception, il y avait danger. Paulo Dybala.
Orellana. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Vidal. Bien, la profondeur. Et c'est intercepté. Attention, la frappe. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant et on se retrouve tout de suite. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. L'Argentine, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Paolo Dybala. Germán Pezzella. Ça joue long vers l'avant. Quel timing dans l'interception. Pour Orellana. Isla. Messi. Long ballon dans le sens du jeu. C'est dégagé, loin devant. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est intervenu. Paolo Dybala. Messi. Il cherchait à imposer sa puissance, il est tombé sur un mur. Vidal. Pour Orellana. Isla. Ça ne passera pas. Messi. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Quelle passe. C'est dégagé. Dans la profondeur. Le centre est parti. C'est dégagé. C'est osé. Messi. Toujours rien à se mettre sous la dent niveau but. 0-0. Paredes. Tagliafico. Il allonge vers l'avant. Acuña. Ce ballon, peut-être une occasion pour Agüero. C'est joué dans la profondeur. Ouais, il peut choisir de centrer. Il est là pour dégager. Ça peut faire mal. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Je me disais, Grégoire, ils défendent souvent en nombre dans l'axe, non? Et vous vous disiez bien, Darren. C'est sans doute pour anticiper les centres adverses. La force vient parfois du nombre. Bon, c'est une stratégie comme une autre, après tout. Vous avez raison. Il cherche la profondeur. Tagliafico. La longue passe, il peut en profiter. Il a choisi de jouer long. Ça, c'est une interception parfaite. Un long ballon vers l'avant. Il préfère jouer avec son gardien. Et dégagement du gardien. Ils sont bien concentrés, regardez ça. Encore intercepté. Germán Pezzella. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Le bon ballon. Il allonge le jeu.
Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Il décide d'allonger le jeu. Messi ! Cette passe en profondeur pour Dybala ! Sur la gauche. Alexis Sanchez. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. C'est bien fait, ça. C'est dégagé loin. C'est parti. Aureliana. La bonne parade. Une parade magnifique. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Bien, bonne intervention. Vidal, il prend sa chance. Aucun danger pour le gardien. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Presser plus haut ou laisser des adversaires tirer de loin. Et la touche maintenant. Vidal. Isla. Bien joué, ça. On joue sur l'aile, il est servi. Il envoie le ballon dans la tentative. Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. Le Chili profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur action n'est pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Une très longue passe. Messi. Ouais, allez, c'est une fin de match comme je les aime. Tout peut encore arriver. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Otamendi. Il s'impose physiquement dans ce duel. Pour Aureliana. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Acuna. Il va falloir porter le danger vers l'avant. Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Longue passe vers l'avant. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. C'est joué long. Dybala. Peut-être une occasion pour Messi. Bien servi. Agüero. Oh, le gardien est là. La classe. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. La passe en retrait vers son défenseur. Pour filer droit au but. Il se rattrape bien. Et ce ballon vers ses attaquants. Isla. Un long ballon vers l'avant. Et l'arbitre siffle la fin du match. Des supporters déçus, c'est logique. Les joueurs aussi, tout le monde espérait une victoire pour démarrer cette compétition sur des bonnes bases. Eh bien, ce sera un match nul. Alors dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me suis pas ennuyé. J'adore les débuts de compétition, même si aujourd'hui, ça s'est soldé par un match nul.